Hey les bros, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai fait énormément de changements, de travaux, bref. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai été beaucoup inactif sur YouTube récemment. Car tout simplement, j'étais en train de faire beaucoup de travaux dans ma chambre, sur le stream, etc. On a vraiment fait ça bien. J'ai un nouveau micro, comme vous pouvez le voir. J'ai une nouvelle caméra. Tout s'est amélioré. Donc, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Ça va pas être une vidéo très longue. Genre, je pense que ça va faire une vidéo de 5 à 6 minutes grand maximum. Mais dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur ce qui s'est passé pendant que j'étais inactif. Donc pendant que j'étais inactif, c'était très simple. Je faisais que du streaming, c'est-à-dire que j'avais arrêté les vidéos YouTube tout simplement parce que mon micro, c'était plus possible. Vraiment, il y avait des problèmes de micro de partout. J'avais des problèmes en plus in-game sur Planet Zoo. C'était un gros bordel, vraiment, j'en avais ras la casquette, pour rester poli. Donc je faisais que du streaming, mais même sur le streaming, mon micro, c'était plus possible. J'avais un Blue Yeti qui datait à peu près de 4 ans quand même, ça faisait un petit moment que je l'avais. C'était un bon micro, mais ça restait de l'USB, alors que bah, du coup je commence à faire beaucoup de streaming, ça fait très longtemps que je fais ça maintenant, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé le streaming, et 3-4 ans que j'ai commencé YouTube. Donc il fallait que j'améliore mon setup, etc. Je commence à me professionnaliser là-dedans, voilà, il faut que le setup s'améliore aussi. Et j'avais un petit peu un setup de débutant, un éclairage, c'était une lampe de bureau, j'avais une caméra, c'était vraiment le minimum à avoir. J'avais un bon micro certes, mais bon, il commençait à dater comme je viens de vous le dire. Bref, du coup, j'ai vraiment mis du budget, à peu près 1000 €, voilà, c'est cher, mais au moins, je suis bien, d'accord? J'ai une table de mixage, une carte son, un nouveau micro, un bon éclairage, un bon décor, tout ce qu'il faut pour être tranquille. Prochainement, dès que je reçois mon nouveau portable, je vais essayer de vous faire une petite vidéo setup si ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous kifferez. Moi, personnellement, ça me ferait plaisir. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé en stream et je compte en faire une peut-être. Mais bon, mon téléphone est en retard. Je crois que mon colis s'est fait voler. Du coup, ça fait super plaisir. Je suis en train de faire tout le nécessaire pour le retrouver ou alors me faire rembourser histoire d'en racheter un autre. Mais bon, ça casse un peu les couilles, hein, on va pas se le cacher. Donc la vidéo aura un peu de retard, mais je compte en faire une. Donc restez sur la toile, je vais peut-être vous faire une petite vidéo setup pour vous montrer tout ce qui s'est amélioré, vous mettre les liens dans la description, etc. Pour ceux qui veulent avoir les mêmes choses que moi, tout est possible. Sinon, sur ce qui va se passer plus tard, donc là, à venir, très prochainement. D'ailleurs, ça a commencé dès vendredi. Là, je tourne, on est dimanche, la vidéo va sûrement sortir lundi, parce que c'est pas une grosse vidéo, donc elle va pas me prendre trop longtemps au montage. Donc elle sortira sûrement lundi. Mais en gros, vendredi dernier, j'ai fait le grand comeback en stream. On a fait 12 heures de stream, c'était génial. Vous avez été super nombreux, c'était super cool. J'ai trop kiffé, ça m'a fait vraiment trop plaisir de vous retrouver. Donc je vais reprendre les streams tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche, comme avant. Vous pouvez retrouver mon planning qui se trouve sur mon Discord. Le lien est dans la description. Donc allez checker, on commence à être pas mal sur le Discord, ça fait super plaisir. Vous pouvez être au courant de mes streams, de mes nouvelles vidéos, discuter avec nous, etc. Il y a un petit channel Planet Zoo pour ceux qui veulent partager leurs créations. Il y a plein de petits channels pour d'autres jeux, etc. Parce qu'on fait pas que du Planet Zoo. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description et je pense que vous serez bien accueillis. Donc tout ce qui va se passer, que ce soit sur YouTube et sur Twitch, il y aura énormément d'améliorations sur YouTube. De très gros projets vont être mis en place sur YouTube, surtout sur YouTube. Twitch, ça va pas trop changer, c'est juste, bah, j'ai un nouveau setup, donc forcément la qualité des lives va augmenter, mais c'est surtout sur YouTube, il va y avoir du très gros changement. Il n'y aura pas que du Planet Zoo, parce que jusqu'à maintenant, ma chaîne, c'était que du Planet Zoo, d'accord, avec un peu des best-of Twitch, des best-of Ryu, qui étaient issus de mes meilleurs clips Twitch. Donc ça, il y en aura toujours. Pareil pour Planet Zoo, il y en aura toujours, mais il y aura du plus. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ma chaîne YouTube, c'était que du Planet Zoo. Mais j'ai jamais voulu ça. J'ai jamais voulu faire qu'une chaîne de Planet Zoo. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est le multigaming. D'accord? On en fait plein en stream. J'adore faire du multigaming. Je m'amuse sur plein de jeux et j'adore partager ça avec vous. On se marre bien, etc. Et j'aimerais bien que sur YouTube, en faire autant. C'est-à-dire que, en gros, ce que je compte faire sur YouTube, ça sera des petits condensés montés de mes streams sur le multigaming. C'est-à-dire, admettons, prochainement, je vais faire un let's play sur Little Nightmare, un jeu que beaucoup m'ont demandé et que j'ai jamais fait. C'est un jeu un peu horrifique, etc. Et moi, je suis pas trop fan des jeux d'horreur. Genre, j'ai un peu peur, etc. Mais bref, ça risque d'être marrant. Et ben, ce jeu, le let's play, je le ferai en stream. Et la VOD du stream sera montée en une vidéo YouTube d'à peu près 10-15 minutes grand maximum. Peut-être qu'il y aura plusieurs épisodes pour suivre l'aventure, etc. Mais en gros, ça sera des petites vidéos montées de mes live Twitch, tout simplement sur le multigaming. Donc, il y aura des petits let's play
gameplay, etc. Des petits jeux indés. Il y aura plein de trucs. Mais vraiment, ça va bombarder en vidéo. Parce que ma chaîne YouTube est un peu inactive et un peu basée sur Planet Zoo, alors que j'ai jamais voulu ça. Avant que Planet Zoo sorte, je faisais du multigaming. Sauf que ça marchait pas trop et je me suis fait connaître sur Planet Zoo. Mais maintenant que j'ai une petite base d'abonnés, j'aimerais bien faire un petit switch pour faire découvrir plein de nouveautés, plein de nouveaux jeux aux gens qui me suivent. Et pas non seulement que du Planet Zoo. Mais attention, Planet Zoo va vraiment continuer. Je vais reprendre Freedom Valley. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas s'arrêter. Tout ça pour vous dire que bah YouTube, ça va plus bombarder en vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. Et comme ça, ça vous permettra de me découvrir sur non seulement Planet Zoo, mais aussi d'autres jeux. Parce que je fais énormément de jeux différents en stream. Je fais beaucoup de multigaming. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui s'abonnent aussi sur Twitch. Parce que ça me fait extrêmement plaisir de stream sur Twitch. C'est ma passion. Donc merci vraiment à tous ceux qui me suivent tous les jours sur Twitch. On est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment trop plaisir. Le lien aussi de ma chaîne Twitch sera dans la description pour ceux qui sont pas encore venus et qui souhaitent peut-être me voir en stream. Le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Tout ça pour vous dire que j'ai été absent, mais pas pour rien. J'ai tout amélioré, comme vous pouvez le voir, mon nouveau décor, mon setup, etc. Tout s'est amélioré et franchement, ça change la vie. Vous pouvez pas savoir à quel point. Je suis vraiment trop heureux d'avoir fait le retour vendredi, etc. D'avoir pu vous reparler et tout. Et j'ai vraiment hâte de refaire plein de projets avec vous. Je vous dis à la prochaine. Restez comme vous êtes. Ciao les bros.